que j'aimerais avoir un ciel bleu comme ça, franchement, IRL en ce moment. Ça ferait plaisir. Allez, bonjour à tous, c'est Galax, et bienvenue aujourd'hui sur F1 2017. Bienvenue pour la suite de votre carrière. Un mois, effectivement, sans épisode. Je vous expliquais pourquoi un petit peu dans cette vidéo, mais on est reparti, en tout cas, les amis, pour un défi rétro. On aura, je pense, ensuite les essais du prochain Grand Prix, mais on fera pas la course. La course, on la gardera pour une prochaine vidéo. Allez, allons-y, ordi portable. Nous allons, les amis, faire cette preuve rétro, du coup, la prochaine, qui est une course poursuite. J'ai choisi, il y avait le choix entre une course poursuite ou alors une course classique. Donc en gros, la course poursuite, on doit dépasser un nombre de voitures assez conséquent qui sont moins performantes que la nôtre, mais il y en a beaucoup, donc c'est pas non plus évident. Et la deuxième course qu'on avait, c'est une course juste être placé premier de notre catégorie. Donc bon, j'avais le choix, j'ai préféré prendre la course poursuite. Je trouve toujours que ce sont des épreuves très très sympas, et c'est avec une Ferrari F2007, du coup de l'année 2007. Forcément, ça porte bien son nom. On est parti. Sachez qu'au niveau de la difficulté, rien ne change, nous sommes exactement comme comme on était il y a un mois, ou un peu plus d'un mois d'ailleurs, lors du dernier épisode. Et donc voilà, on reprend la série vraiment où elle en était. Donc vous n'avez rien loupé. Allez, on est parti. Épreuve rétro. Ça va être trop bien, tu vas voir. Ça va être trop bien. Nous voici à l'épreuve rétro. C'est le calme avant la tempête. Bientôt les pilotes vont faire rugir le moteur de ces modèles emblématiques. C'est un grand honneur de pouvoir assister à cette épreuve et de vous accueillir ici. Alors mettez-vous à l'aise en attendant que les participants finalisent les derniers préparatifs. Alors, juste avant d'aller plus loin, je tenais à vous dire un petit truc. J'ai changé de pad sur la PS4, ça veut dire que maintenant, j'ai une SCUF. Donc, c'est une manette qui est un petit peu différente, effectivement, de ce que j'avais avant. J'avais la manette de base de la console. Et donc, il faut que je me réhabitue un petit peu à la sensibilité des sticks, etc. Donc, si jamais je fais du caca aujourd'hui, enfin, pire que les autres fois, donc, c'est dire comme ça va être nul, bah, écoutez, c'est normal, voilà, ne soyez pas surpris. Donc, objectif, finir premier. Vos adversaires ont des voitures moins performantes, donc, je vous l'ai dit. Donc, sur le circuit de Bahreïn et en 3 tours. On est parti, on y va. Ça va être chaud, moi je vous le dis. Également les gâchettes qui sont différentes. Les gâchettes avec rallonge, donc c'est un peu particulier. Allez, et là vous allez me poser la question, mais pourquoi tu as pris une SCUF? Pourtant, t'es pas un bon joueur, t'es pas un PGM. Mais je sais, non, c'est juste qu'en fait, c'est pour avoir une ergonomie au niveau du pad plus agréable. Parce que c'est vrai que le pad de base sur PS4, je trouve, est pas terrible par rapport à mes grosses mains. Voilà, donc j'avais besoin d'avoir un pad. Et donc une SCUF Impact, voilà, de marque SCUF, voilà. Mais Impact, donc pas l'Infinity qui gardait effectivement le modèle de base de la manette PS4. J'avais vraiment envie d'un changement d'ergo. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, effectivement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, et en plus, changement de manette, ce qui n'aide absolument pas. Enfin, ça va aider sur le long terme, parce que du coup, c'est quand même plus simple de jouer avec une SCUF qu'avec une manette PS4 de base, donc c'est beaucoup plus agréable. Niveau des sticks, c'est quand même moins sensible que les foutus sticks de base sur PS4. Alors attention, je ne critique pas non plus, vu que le pad PS4 fonctionne très très bien, il est très sympa et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau stick, je trouve vraiment très trop sensible. Je trouve aussi qu'au niveau du confort, au niveau de la... du porté de manette, si je puis dire, c'est vraiment pas sympathique, c'est vraiment pas cool en fait. Voilà, par rapport à un pad Xbox One, ça a rien à voir. Et justement, la SCUF Impact reprend un petit peu la forme du pad Xbox One. Donc j'en suis très content. Allez, on va dépasser Michalski maintenant dans cette ligne droite magnifique. Allez, ne ralentis pas trop non plus pour pas qu'il nous rentre dedans, s'il te plaît. Alors là, on va faire du caca, mais c'est pas grave, vous vous en doutez. Par contre, est-ce qu'on peut mettre les feux de croisement? Non, on voit pas grand-chose. Non, je pense pas. Allez, donc on a 3 tours, effectivement, pour rattraper les 3 premiers. On n'y arrivera pas. On a quasiment 4 secondes, effectivement, de retard sur le prochain. On a bien sûr une voiture plus performante, mais je pense pas qu'on y arrivera. Le mec qui part défaitiste d'entrée. Non, parce qu'effectivement, j'ai déjà effectué des épreuves rétro dans le jeu, dans ce mode carrière, vous vous en souvenez sûrement. Et il y en a la plupart, on les réussit pas, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus dur au final que les Grand Prix que l'on fait dans le mode carrière, donc c'est un poil dommage parce que voilà une difficulté qui est un petit peu mal jaugée. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est légèrement mal jaugé, effectivement. Alors, on va en reparler aujourd'hui pendant les essais et tout. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'épisode pendant un mois. Alors, beaucoup de personnes m'ont posé la question au final sur les lives, etc. Parce que voilà, je réponds souvent aux questions sur les lives. D'ailleurs, quand je fais un live sur YouTube ou sur Twitch, d'ailleurs, bah écoutez, j'essaie d'un peu plus prévenir qu'avant. On verra, surtout que ça a été des vacances, donc peut-être que vous serez intéressé. Allez, on passe en 3e position, on aura au moins le bronze, c'est déjà bien. Voilà, on est déjà content. Et donc ouais, effectivement, pourquoi pas de vidéo pendant un mois sur le jeu? Eh ben parce que j'en avais un peu marre. Voilà, je veux pas vous mentir, je veux pas faire le mythomane et tout, tu vois. Non, parce que je trouve que c'est un jeu qui est un peu répétitif dans sa construction. Ça veut dire qu'en gros, bah tu roules, tu fais une course. Vous me direz, ouais mais c'est la même chose pour FIFA, tu fais un match. Oui! Totalement, mais je sais pas, j'avais pas trop l'envie. Et puis comme je dis souvent, mes vidéos marchent à l'envie. En gros, quand j'ai envie de faire une vidéo, j'en fais une. Et là voilà, j'avais envie de faire du F1 2017, de tester ma nouvelle manette avec. Et franchement, sans deck, ça va super bien avec la nouvelle SCUF. Ah j'adore, sérieux. On est deuxième, on peut y arriver, remarque là.
Oh, je pense qu'il va nous manquer pas grand chose hein, pour repasser premier. Il va nous manquer vraiment pas grand chose. On a à peine. On est à moins de 2 secondes. Hein. 1,5 secondes. C'est con. On sera pas grand chose. On va essayer de réaccélérer. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais oui, on peut y arriver. Vas-y, Galaxou, il est passé. Oui, on va remporter l'épreuve rétro, je le sens bien. Oh oui, ça c'est la scuff. Ça c'est la scuff. Responsable d'une collision. Mais j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait, voyons. J'ai rien fait du tout. Moi je sais que je suis un peu bourrin, mais quand même. Ah non, mais les sticks, ça change tout. Allez mec, sérieux, les sticks, ça change absolument tout. Hein. Les sticks d'une scuff. Impact. Alors évidemment, faut bien les prendre. Faut bien prendre les bons sticks parce que t'as des sticks de base sur leur site. Tu peux rester avec les sticks de base, mais c'est vraiment pas conseillé. Faut prendre les vrais sticks avec, entre guillemets, incurvés, tu vois. Ok, donc c'est gagné du coup. Je pense que c'est bon. Logiquement, on a remporté l'épreuve rétro. J'étais vraiment pas sûr d'y arriver parce que je me disais ça allait être très 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 limite. Et donc voilà, c'est réussi. Oh putain, c'est rare que je réussisse effectivement les épreuves rétro. Voilà, bah, c'est parfait, écoute. C'est parfaitement parfait comme dirait l'autre. Bah voilà, je confirme. Et puis on va pouvoir passer au prochain week-end. Je ne sais pas du tout le pays, je ne connais pas du tout le circuit. On va le découvrir tous ensemble. États-Unis, je suis con, c'est marqué. En plus, tu reconnais bien avec les étoiles et tout. Rouge, bleu et blanche. États-Unis, c'est le numéro 1. On est parti. Freinage dégressif. D'accord. Bon, moi, je freine comme un gros bourrin. C'est pas grave, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, oui, parce qu'en gros, voilà. Pourquoi pas de vidéo pendant plus d'un mois? Parce que j'en avais un tout petit peu marre du jeu. Voilà, j'avais besoin de faire une petite pause. Ça m'a fait du bien. Et là, tu vois, j'ai re-envie de jouer au jeu. C'est un petit peu comme Euro Truck Simulator, j'en fais pas trop souvent sur la chaîne. Et quand j'en fais, au moins, je suis à fond dedans et ça me fait super plaisir de revenir et d'en proposer. Tu vois, donc voilà, je pense que c'est bien de faire les choses quand on a envie de les faire. Moi, j'ai toujours dit, voilà, que je fonctionnais comme ça. Souvent, pourquoi je fais beaucoup de jeux de bagnole sur la chaîne? Pourquoi je fais beaucoup de jeux de sport? Parce que j'adore, je m'enjaille devant les jeux de sport et de bagnole. C'est ce que j'adore faire. Donc j'en fais beaucoup. Voilà, alors il n'y a pas que ça, j'aime beaucoup de choses. Mais voilà, j'adore ça. Alors, oh! Bonjour, content de vous revoir. L'usine a envoyé les pièces qui semblaient prometteuses sur le simulateur. On est en train de les installer. Voici le rapport. Ah, le rapport. Alors, ça installe les pièces, recherche et développement. Ok, ça on l'a déjà eu dans le mode carrière. Oula, il y a un petit bug de caméra, non? Alors, nouvel élément intégré, longévité, un PK plus 30% d'amélioration, ça c'est bien. Bonus de sponsor, vos prouesses sur le bitume ne sont pas passées inaperçues, le sponsor de l'équipe a décidé d'augmenter ses financements. Oh, c'est trop bien. Ok, donc ordi portable direction les États-Unis avec les premiers essais libres. Juste niveau, ouais, on est bon. Par contre, attention parce qu'on va dépasser après, effectivement. Non mais c'est bon, parce que c'est vrai qu'on a les... comment t'appelles ça déjà? Les pénalités qu'une seule fois. Putain, je trouvais même plus le nom pénalité, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Oula, par contre, c'est en jaune. Bah écoutez, on va prendre la quatrième boîte de vitesse, de toute façon, on arrive. Effectivement, ah, avertissement pénalité. Ah, c'est chiant. Ah ouais, non, non, c'est très très chiant. Est-ce qu'on reste en jaune? Ouais, je pense qu'on va rester en jaune. Voilà, pour ce coup-ci, bah de toute façon, on aura bien une pénalité à un moment donné. Hein. Ouais, donc autant la prendre maintenant. Hein. Je sais pas, est-ce qu'on la prend maintenant? Ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que de toute façon, il faudra changer avant la fin. Ça, c'est obligé. Donc, ouais, allez, je vais changer, je vais prendre la quatrième. Mais c'est marrant qu'on ait une pénalité. Une nouvelle fois, nous m'avons de pouvoir terminer au moins 6 courses. Ah, d'accord, faut terminer 6 courses. Oui, sauf qu'au début, la première saison, mec, finir 6 courses, c'est compliqué. Alors, on va rester en jaune. Voilà, en fait, il faut finir 6 courses avant de... si on veut éviter la pénalité. D'accord. Bon. Bon, on y va comme ça, on va essayer d'y aller comme ça, tant pis pour la boîte de vitesse, j'espère que elle va pas se péter complètement pendant les essais et les qualifs, etc. Là, logiquement, aujourd'hui, on fait que les essais, je vous explique, ce sera une petite vidéo. La raison est simple, c'est que c'est la période de Noël, vous le savez, on a beaucoup de choses à faire entre-temps. Alors là, par contre, je vais laisser la cinématique et je vous expliquerai après, voilà, exactement, mais je pense que vous en doutez, hein. Période de Noël, tout ça, tout ça. Les feux vont bientôt passer au vert ici à Austin, Texas, et nous devrions donc bientôt voir sortir les voitures sur la piste. Bienvenue à la séance d'essai du jour pour ce Grand Prix des États-Unis. Je salue tous nos auditeurs et bien entendu, je ne vous oublie pas, mon cher Nicolas Martin. J'ai une question à vous poser. Il est évident que ces séances sont exigeantes, qu'il y a beaucoup de simulations à faire. D'après vous, les pilotes apprécient-ils cet exercice ou est-ce qu'ils ressentent au contraire une certaine lassitude? Pour être franc, je ne vois pas comment on pourrait se lasser de la Formule 1. Quand un pilote roule à 300 km/h en ligne droite et qu'il subit une gravité de 4G dans les virages, il lui est impossible d'ignorer ses effets sur son organisme. C'est une tâche éreintante qu'il doit gérer tour après tour. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de lassitude de la part des pilotes. Même après un début difficile, il est toujours possible de renverser la situation en gardant son calme et en cherchant à surmonter les difficultés. Nous allons intégrer des données supplémentaires durant cette séance. Comme nous avons de nouveaux composants, nous voulons nous assurer que tout marche convenablement.
Ok, allez, c'est parti du coup pour les essais libres et donc je vais pouvoir terminer ce que je disais, mais avant tout, on part en reconnaissance du circuit. Allons-y, let's go, c'est parti les amis, nous allons y arriver, je sais qu'on peut y arriver. Oh le malaise, malaise TV, bonjour. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go. Conduite manuelle pour Galaxou. Allez, donc circuit effectivement des États-Unis, faut que j'étende un petit peu mon son. Attendez, je descends mon son. Voilà. Est-ce que c'était... C'est encore un peu fort. Attendez, je descends tout ça. De toute façon, l'entraînement n'a pas encore débuté. On va essayer de faire un truc pas trop mal. Et donc, ouais, pourquoi effectivement il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois? Donc je vous l'ai expliqué, période de Noël, etc. Puis voilà, on a d'autres choses à faire. On n'a pas non plus que YouTube à s'occuper tout le temps, toute l'année. Donc voilà, c'était une période effectivement un petit peu différente, un mois de décembre. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses en plus, dans la vie, etc. Johnny est mort, enfin bon, et pas que ça, et mon chat est mort aussi. Bref, il y a eu des trucs qui ont fait que ça a ralenti un petit peu mon rythme de vidéo, tout simplement. Mais voilà, vous en faites pas. À part ça, vraiment, on va continuer les vidéos, etc. Et on se remotive au fur et à mesure, voilà. Mais c'est une question vraiment, voilà, c'est une question d'envie et de motivation, tout simplement. Mais je pense que ça le fait à bon nombre de youtubeurs. J'ai loupé la porte, c'est génial, c'est pas grave, on va continuer quand même. Zobby la mouche. Allez. Zopi la mouche. Le mec qui te sort ça comme ça, tu sais. Et donc voilà. Alors c'est vrai que ces derniers temps j'ai dit un peu des conneries dans mes vidéos. C'est à dire que je parle pour rien dire souvent. C'est vrai, voilà, manque d'envie, manque de motivation, mais vous en faites pas, c'est juste parce que c'est une mauvaise période à passer pour moi. Voilà, on a eu le chat qui est décédé, encore une fois, je vous le redis. Le mois de décembre, c'est pas bien passé, on a eu des accidents dans tous les sens, bref, c'était un petit peu relou. J'ai loupé encore une fois le DRS, c'est magnifique. Mais non, voilà, ça... Non, j'ai pas loupé apparemment, je suis en vert. D'accord, apparemment j'ai pas loupé. Eh ben non, je suis con, je l'ai activé après. Mais j'ai activé un peu tard, c'est ça le truc. Je l'ai activé effectivement un peu tard. Mais voilà quoi. Ah, dommage, j'ai eu en vert la dernière porte alors que j'étais en violet depuis le début. C'est vraiment pas dur, hein, là, j'ai loupé une porte, je sais pas comment j'ai fait pour la louper. Alors peut-être qu'il y avait que cette porte qui était dure à choper, quoi, je sais pas. J'ai failli en louper une deuxième, d'ailleurs ça m'a accordé que le vert du coup. Mais ouais, dommage que j'en ai loupé une. Ah, deux du coup. Ah, j'en ai loupé deux. Est-ce que le fait de louper deux portes, ça va me coûter effectivement la réussite, le vert? Alors là, le violet, c'est sûr, on l'a pas, hein, parce que le violet, il faut faire beaucoup mieux que ça. Mais est-ce qu'au moins, on a du bon? Est-ce qu'on est au moins en vert? Là est la question. Ah, je prends les trajectoires complètement pourries, hein. Ce circuit a l'air sympa, sinon, à part ça. Allez, on termine bien. C'est bon, effectivement, on a eu 475. Faudra faire 580 pour avoir le violet, mais on s'en fout, on va pas viser du tout le violet. Moi, je vise le vert en général. Donc, terminer la session, passer aux qualifications, exactement. Nous souhaitons passer directement en qualification. Et nous sommes 5e des essais libres. Effectivement, c'est quand même bien. Mais bon, on a essayé le numéro 1, hein, pas du 2 et du 3, vu qu'on ne les joue pas, vu qu'on passe directement au qualif. Est-ce qu'il y a eu des soucis sur la voiture? Voyons voir. Attends. Non, j'ai pas l'impression. Toujours la boîte en jaune. Niveau arbre R&D, on est comment? On a 1001. Bah attendez, on peut prendre des trucs, je crois. Mais bien sûr. Attends. Il me semble que c'est 500 points pour avoir une amélioration. Ouais, bah on peut en prendre deux, génial. Allez, je vais prendre ça. Développer l'amélioration. Vas-y, mon grand. Pourquoi pas? Faut faire aussi le côté gauche, hein. Ça faut y penser parce que du coup, ils sont déjà. Oh merde, ils sont déjà tous niveau 2. Ah, j'aurais dû plutôt améliorer ce côté-là, du coup. Allez, eh ben, j'ai amélioré ce côté. On va faire toute la longévité dans la première saison. Enfin, on fera pas tout, hein. On continuera aussi dans la seconde. Et après, il faudra améliorer si jamais on fait d'autres saisons. Châssis, chaîne motrice et l'aérodynamique. Ok, j'en ai pris deux. C'est parfait. Passons aux qualifications courtes maintenant sur ce Grand Prix des États-Unis. La qualification, c'est maintenant. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, on n'aura plus que la course à effectuer. Ça durera 25, 30, 35 minutes. Après, tout dépend de la course. C'est vrai qu'il y a des courses, on remarque, suivant le nombre de tours et surtout la longueur du tour et la difficulté, qui sont plus courtes que d'autres. Les qualifications devraient commencer sous peu ici, à Austin, Texas, où les pilotes espèrent tous faire de bons chronos et être prêts pour le Grand Prix des États-Unis demain. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Ah, on vient de voir Esteban Ocon, et d'ailleurs Esteban Ocon, vraiment rival actuel, il me semble que c'est notre rival, et franchement, il est super fort, super dur à battre. Allez, écoutez, on est parti pour cette séance de qualification, on va directement prendre la piste au niveau météo, apparemment nuageux, mais il n'y a pas de pluie, donc c'est bien. Écoutez, on prend la piste. Allez, de toute façon, il n'y a pas trop de choix, quand faut y aller, mon petit père. Allez, départ lancé, évidemment. On va essayer de faire au mieux, hein, essayons de faire au moins comme sur les essais. Allez, Galaxou,
concentre-toi, on a de la chance, ça ne pleut pas, ça peut arriver très très vite en plus, donc autant y aller direct. Voilà, pour l'instant, c'est pas moi qui conduis, on attend que ça passe en mode manuel, toujours avec notre magnifique Renault. Et si on fait une seconde saison, je ne sais pas du tout dans quel team je vais aller. Je ne sais pas non plus si je change. Ah, je pense que si, moi j'ai horreur de rester dans une même team. Ça, c'est un truc. Allez, donc on attend le début du tour. C'est bientôt. Freinage. Ouais, faut que je fasse du freinage un peu plus progressif en fait. Je tendance à être trop brut sur mon freinage. C'est vrai qu'en plus, quand tu perds l'habitude vraiment du jeu, quand tu n'as pas joué depuis un mois. Un mois? On dirait pas, mais un mois, c'est beaucoup, hein. Allez, c'est bon. On a démarré. On a passé la ligne de départ. On dirait pas, mais un mois sans jouer à un jeu, surtout un jeu de course comme ça, c'est... Oh non! Oh non! Non, je refuse, Galaxou! Comment tu peux faire ça? Comment tu peux nous faire ça, ce tour de qualification? Bah allez, on est bon joueur, on va le continuer. Tu vois, on est bon joueur. De toute façon, après, rien nous empêche de faire un second tour, hein, il me semble. J'espère que ça va pas pleuvoir après, c'est tout. Oh là, je suis très mal passé. Qu'on n'arrive même pas à rattraper celui de devant, ça craint. Après, je sais pas qui c'est celui de devant. Si c'est Hamilton, on comprend. Si c'est Hamilton, meilleur tour pour Esteban Ocon. Incroyable. Incroyable, Saligo. Il est fort, hein. C'est notre rival en plus. C'est un rival important. Et devant, je sais pas qui c'est. J'ai l'impression que c'est une Mercedes. Je suis pas sûr. Si c'est une Merco, je comprends pourquoi on n'arrive pas à la rattraper. Par contre, si c'est un Pascal Wehrlein ou une connerie comme ça, non, quoi. C'est qui? Je vois pas qui c'est. Je vois un mec qui m'affiche le nom en gros. Je crois que c'est Hülkenberg, non? Il me semble que c'est Hülkenberg. Ouais, c'est ça. Eh, parce qu'il a l'avant en jaune. Mais on le voit pas de derrière en fait, parce que les Renault, elles sont, voilà, tu vois, elles sont grises derrière et jaunes devant. Du coup, on pouvait croire que c'était une Mercedes. Je décélère un petit peu. Mine de rien, on n'est pas meilleur que notre collègue, j'ai l'impression. Je coupe un petit peu, c'est pas grave. Putain, Esteban Ocon, il a fait une 40, on va faire moins bien que Esteban. Oh la tristesse. Oh la tristesse. Oh, attends. Ah, on a fait... Non, on a fait mieux que Ocon. Tu es deuxième pour l'instant, deuxième. On a fait mieux que Ocon. Mais écoutez, on va s'arrêter sur ce tour. Voilà, j'espère que c'est pas si mal. Mais effectivement, on peut beaucoup, 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 jusqu'ici, beaucoup mieux faire, je vous rassure, ça c'est sûr. J'ai fait une 39,8 et Ocon a fait une 40 et des brouettes. Bon, je pense qu'il va faire mieux par la suite. Même Hülkenberg est devant, Perez est devant, Valtteri Bottas bien sûr devant. Ouais, on va être battu, allez, de 3-4 secondes effectivement par les meilleurs, à mon avis. Donc écoutez, on va terminer la session, voyons voir un petit peu combien nous sommes classés. Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Voici les 3 meilleurs temps, Hamilton, Bottas et Sébastien Vettel. Il est temps de nous quitter. Nous nous retrouverons demain pour assister au Grand Prix. Eh bien écoutez, nous sommes juste derrière Nico Hülkenberg. Par contre, Esteban Ocon, petite déception aujourd'hui, il n'est que 12ème avec une 40-295. Il n'a pas réussi à faire un meilleur temps que son premier tour en piste. Donc moi, je suis juste devant Romain Grosjean, Carlos Sainz. Voilà, donc c'est pas trop mal au final. Il y a Max Verstappen devant, Perez, Ricciardo, Raikkonen, Vettel, Bottas et bien sûr Lewis Hamilton en pole position pour la course du prochain épisode. Eh bien écoutez, voilà, c'était plutôt cool. 9ème place, franchement, c'est pas dégueulasse. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est sympathique. Voilà, 9ème place, au moins il y aura du challenge, il y aura des voitures à dépasser, on peut se faire dépasser, il peut y avoir des accidents, bref. Donc tout sera permis bien sûr pour la prochaine course. Moi c'est une place que j'aime bien, vers les 8, 9, 10e. Je trouve que c'est un bon placement, voilà, pour faire quelque chose effectivement sur une course. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Effectivement, je vous ai pas mis trop les essais parce que de mon point de vue c'est un petit peu chiant, un petit peu lourd. Voilà, donc je préfère directement passer aux qualifications. Donc un grand merci à tous, on se retrouve les amis très bientôt. Donc, regardez Esteban Ocon, on est devant quand même, on est 26 sur 30, lui 19-30 et on a encore gagné ce face-à-face aujourd'hui vu qu'on est devant niveau qualif. J'espère que pour la course ce sera pareil, même si, bon, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Par contre, effectivement, le fait de ne pas devancer Nico Hülkenberg, ce n'est pas bien et ça me fait perdre un petit peu de points. Allez, merci à tous, on se retrouve les amis très bientôt pour la suite de F1 2017. Alors ne vous en faites pas, il n'y aura pas un mois de différence entre cet épisode et le prochain. Alors certes, il n'y a pas des épisodes tous les deux jours comme FIFA par exemple, mais il y en a de temps en temps. Voilà, vous en faites pas, il n'y aura pas un mois d'écart non plus. Bref, merci à tous, vive les jeux vidéo. Petit pouce bleu si le retour de la série vous a plu, tout simplement, portez-vous bien et vive, est-ce que j'ai pas déjà dit, si, bah et revive les jeux vidéo, allez c'est tout le monde.